très mauvais. On ne mérite pas de gagner aujourd'hui. Bien sûr, ça m'inquiète parce que... quelqu'un m'a dit on est dixième, c'est pas la place pour nous. Mais il faut être honnête, on ne joue pas bien en ce moment. Eh bien, salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. On espère que vous allez bien, en tout cas mieux que Peter Boss, hein, un peu abattu hier après la défaite de l'OL face à Reims. Un revers de 1 qui tombe mal pour l'OL, désormais 10e de Ligue 1, hein, et pointé à 19 points du PSG, qui n'a lui pas pu faire mieux qu'un triste 0-0 face à Nice au Parc des Princes. Alors on s'attendait à mieux, hein, de la part des Parisiens pour fêter le ballon d'or d'un certain Lionel Messi, mais Paris n'a pas brillé, hein, faut être honnête, même si pour Pochettino, bah, la victoire, elle aurait été méritée. Hein. En ligne générale, je crois que l'équipe... fue mejor que nuestro oponente. Es una pena que no termináramos el partido ganando los tres puntos, creo que lo merecíamos, pero bueno, esto es el fútbol, durante la temporada pueden pasar este tipo de cosas. Et l'entraîneur parisien, il va même plus loin, hein. Alors que tout le monde a vu un petit Paris hier soir, lui, il a vu du progrès et il est même très optimiste. Estoy satisfecho, creo que la evolución es con pasitos cortos cada día. En definitiva, estamos primeros y clasificados para la siguiente ronda de la Champions. Y esto es un crecimiento constante y tenemos que llegar a marzo en las mejores condiciones, donde realmente se juegan las cosas importantes, ¿no? Alors après cette décla du coach parisien, on vous pose la question du jour. Est-ce qu'on doit se satisfaire de cette première partie de saison du PSG? Est-ce que seuls les résultats comptent ou est-ce qu'on peut s'attendre un peu mieux dans le jeu? Deux commentaires sélectionnés demain par Thomas. Et si ça n'a pas roulé hier soir pour le PSG et pour Lyon, la soirée a été belle pour l'OM, vainqueur sur la pelouse de Nantes 1-0. Un but signé Gerson qui permet aux Marseillais d'enchaîner, hein, après leur succès face à 3 le week-end dernier et qui a rendu heureux le coach Jorge Sampaoli qui avait des étoiles plein les yeux, hein, après la rencontre, regardez. Ah, una alegría. Volver a ver este Marsella a mí me pone muy feliz porque es el que construimos, el que queremos, el que intentamos... que cada partido tenga esta alegría de jugar. Alors pourquoi il était si heureux Sampaoli hier? Il y avait la victoire, oui, mais il n'y avait pas que ça. L'OM qui a fait la belle opération de la soirée hier en repassant deuxième de Ligue 1 après le match nul de Nice, donc, mais également de Lens accroché à Clermont. Et en bas de tableau, ça va mal, hein, très mal, notamment pour Bordeaux, désormais relégable après sa grosse défaite 5-2 à Strasbourg. Et ça nous permet de revenir sur la question que vous posez Clémo hier. Quel club serait une perte pour la Ligue 1 en cas de descente? Alors vous avez été assez unanime, hein, autour des cas de Saint-Etienne et de Bordeaux, notamment toi, Dark. Tu me dis que ça serait triste de voir ces deux clubs aller en Ligue 2, car ça reste des clubs mythiques de Ligue 1. Même son de cloche pour toi, Snake Docteur. Tu n'imagines pas une saison sans un derby face à ton club, l'OL. Et tu rajoutes aussi que tu espères que 3 restent en Ligue 1, sinon Adil Rami va nous manquer. Et il a pas tort, hein. Ça serait quoi la Ligue des Talents sans Adil? Ah, je l'ai pas bu. Non, je l'aurais bronché dans un coin tranquille. Allez, après cette grosse page Ligue 1, on se pose tranquillement, on respire et on ouvre notre traditionnelle rubrique, le football vrai. Et on ouvre tout de suite avec un ancien du plus grand championnat du monde d'ailleurs, Flotov, buteur décisif hier avec les Tigresses lors de la demi-finale aller du tournoi d'ouverture du championnat mexicain. Et dans ce match, on a aussi eu la petite passe décisive de Gignac pour offrir la victoire en fin de match. On vous laisse savourer ça en VO. Et on file ensuite en Inde avec la rencontre entre l'ATK Mohun Bagan et le Mumbai City et ce but vicieux signé du célèbre Singh. Alors à vitesse réelle, vous vous dites juste qu'on vous montre un but un peu éclaté, hein, mais regardez bien le ralenti, tac, le petit malin qui ne retire pas son bras et qui marque grâce à ça. Pas vu, pas pris, hein. Et sinon, hier soir, il y avait aussi d'autres matchs un peu partout en Europe. Et du coup, avec Hugo, on s'est donné une mission aujourd'hui. Vous récapituler en express les faits les plus importants de la soirée. T'es prêt, mon pote? En express. En express, hein. Allez, on démarre tout de suite avec le grand Karim. Encore une fois, sauveur du Real face à Bilbao. Le Français, hein, plus que jamais, meilleur buteur de Liga avec 12 buts en 15 matchs. On a aussi vu hier Liverpool cartonner Everton 4-1 dans le derby, pendant que Chelsea et City s'imposaient tous les deux dans la douleur à Watford et à Villa. Les gros ont fait le job donc, avant le choc ce soir entre Manchester United et Arsenal. Hugo, on est bon, on a fait le tour là? Exact. Ah, voilà, ça c'est du travail de pro. Avant de se quitter, des nouvelles de Samuel Umtiti qui a malheureusement été pris à partie hier par des supporters après l'entraînement. Alors on vous montre comment ces fans ont voulu arrêter la voiture du Français pour avoir une petite photo ou un autographe.
Et forcément, Umtiti, bah, il n'a pas du tout aimé ce comportement. Il a forcé le passage pour avancer, mais il a décidé de s'arrêter hein, quelques mètres plus loin pour s'expliquer avec ses supporters et leur donner une petite leçon de savoir-vivre. Et très franchement, bah, il a raison, hein, on comprend. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Demain, vous retrouverez votre ami Thomas. En attendant, nous on se quitte en images et en musique. Ciao. En cours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia.